Il a vécu seul dans un HLM à seulement 9 ans. Entre 2020 et 2022, à Nersac, près d'Angoulême, un petit garçon vit sans ses parents dans ce HLM au quotidien. Son père, absent. Sa mère, une femme de 36 ans, vit à seulement 5 km avec sa compagne. Elle vient de temps en temps à scooter pour lui donner de quoi manger. Pendant 2 ans, le garçon se nourrit seul de biscuits et de boîtes de conserve. Il vole même des tomates sur le balcon d'une voisine. Dans l'appartement, pas d'électricité ni de chauffage, le garçon survit en accumulant les couvertures. Et malgré ce quotidien, il va tous les jours à l'école où aucun signe n'alerte l'équipe éducative. Mais en 2022, des voisins finissent par prévenir la police. La mère est poursuivie pour délaissement de mineurs compromettant sa sécurité et ce mardi, elle a été condamné à 6 mois de prison sous bracelet électronique. Pendant l'audience, la mère n'a pas reconnu les faits. Je ne suis pas une maman poule, mais ça reste mon fils. Aujourd'hui, le petit garçon vit chez une famille d'accueil depuis 1 an, et sa mère ne serait venue le voir que 2 fois.